Dis-moi un peu, est-ce que le Seigneur t'a... Comment tu as-tu? Oui, ma soeur. Est-ce que c'est parce que toi tu lis tellement la parole de Dieu, tu es tellement connecté à l'Éternel que tu as appris à... À faire quoi? C'est pas la différence entre toi et moi. Tu veux le comprendre, on travaille là-dessus. Dans ce cas, tu éteins ton téléphone d'abord. Tu vois, comme ça, personne ne perturbe. J'ai été. Voilà. Ma soeur Stéphanie, bonsoir et bienvenue au Cameroun. D'accord? Merci. Tu es à l'aise, n'est-ce pas? Mm-hmm. À toucher le couscous là. Merci beaucoup. Mm. J'ai bien mangé. Tu peux travailler. Bonjour. Nous allons lire. Quelle est la question que tu as posée déjà? La différence entre ce que parfois là, quand tu. Tu dis des choses et puis les marabouts qui disent que quand tu arrives chez un marabout, il dit ah, oh, il y a. Mmh. Mmh. Okay. Tu as lu la Bible peut-être de Genèse au moins jusqu'à. Même dans Jean. J'ai déjà lu toute la Bible plusieurs fois, mais il y a plusieurs versets que quand je relis encore, c'est comme si jamais lu la Bible. Mmh. Moi, mais je ne connais même rien dans la Bible, c'est pour ça que. Somme 1-1 là. Ça m'avait tellement touché. Donc nous allons travailler maintenant. Il va d'abord commencer depuis le début, il va aller doucement. D'accord. Comme tu l'as lu. Est-ce que je peux prendre mon cahier pour... Prends le cahier justement, il n'y a pas de ma soeur. Merci. Je vais mettre ça à la cuisine. Ma soeur, mets la soeur à ton. Aïe. Il y a un message que j'ai écouté que tu as fait qui m'a beaucoup plu aussi. Dieu derrière les épreuves. Oui, qu'est-ce que tu as reçu? Ce qui m'a plu dans... Ce qui m'a fait réfléchir dans ça, c'est que... Avant, je me plaignais tellement que Dieu. Mmh. Mais tu m'as fait réaliser avec Joseph. Mmh. Joseph était derrière tout ce qui était arrivé. Mmh. Tout ce qui, donc Dieu était derrière tout ce qui lui arrivait. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, là, quand on arrête quelqu'un, on met en prison là. On dit quelle malédiction là, quelle ceci là. Mmh. Alors que c'est un, parce que c'est un plan de Dieu. Parce qu'on ne dit jamais que c'est un plan de Dieu. Mmh. Quand parfois là on manque sur quelqu'un, on met quelqu'un de façon injuste en prison, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est que ma chance. Ça, c'est la poisse de on quoi? Commence à prier, tu vois un peu, non? Et Dieu était derrière tout ça parce que c'était pour un but. Mmh. Pour qu'il puisse arriver là où il est arrivé, il y avait ça. Donc tu vois que toute personne qui vient pour le défendre, pour qu'il sorte de la prison, c'est là qu'il n'empêche pas. Ce que tu disais, c'était que même si quelqu'un l'avait fait sortir de la prison, ça n'aurait pas, parce qu'il fallait qu'il soit lavé complètement. Tu comprends un peu. Et le fait que c'est le comme le président, le comment on appelle encore, le roi. Qui a dit que, tu vois un peu, non, il était lavé complètement, personne ne pouvait encore revenir. Et puis voilà. Comme tu disais encore toi-même, le Seigneur lui-même là, Camille me dit souvent que nous sommes comme les pions sur l'échiquier de Dieu. Tu crois ça, hein? Il pousse, oui, ça je le crois. Parce que, mais avant, est-ce que tu crois ça? Non. Tu crois que tu pouvais te battre toi-même? Oui, je me battais moi-même. Mais ce que je vivais où j'étais gelée sur le lit,
c'est pas Dieu qui était dans ça. C'est lui qui a permis. Parce que ça a permis que tu le cherches, tu cherches le secours. Si le secours vient au moment de la détresse, on cherche le secours. Parce qu'il n'y a pas de détresse, tu ne peux pas le chercher. Ouais. Donc, même l'ennemi a son service. Comme ce que tu as dit la dernière fois aussi, que le peuple d'Israël, le Seigneur a durci le cœur. C'est pour moi qui dit ça, la Bible qui dit non. Et puis, quand ils courent, ils arrivent devant Yalo, ils retournent derrière, il y a Pharaon. Tu vas faire comment? Que tu dis que... Tu vas construire le bateau pour traverser rapidement. Mais non. Donc, quand j'ai écouté ça là, j'ai seulement dit, hé hey, Seigneur. Et puis, le chapitre même 12:2 là, tu vois un peu, non? Que tu as insisté sur le verset 4, de chercher le Seigneur comme on cherche l'argent là. En tout cas. Dis-nous ça c'est le Proverbe chapitre 2. Oui, si vous me cherchez, comment on cherche l'argent? J'ai posé la question, où chercher l'argent, comment? On cherche l'argent le matin là, quand c'est pour aller ça même dit... à 4 du matin là. Stéphanie va se lever pour aller, tu comprends? Mais quand c'est pour se lever pour méditer là, le sommeil est tellement très bon. Mais quand c'est pour aller chercher l'argent, même si c'est comment là, tu vas te lever, tu n'as pas le choix. Tu vois que c'est Dieu qui a dit, il faut qu'on le cherche de cette façon là, non? Comment chercher l'argent? Nous sommes responsables seulement de transmettre ce que Dieu a dit. Parce que Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'accord? Voilà. Cela dit, je crois qu'on aura le bon moment cette soirée-ci. On revient à notre sujet. Le marabout. Le marabout, oui. Tu l'attends pourquoi, princesse? Elle te fait bisous. Alors. Ma soeur, je vais partir dans les Saintes Écritures. Je vais te donner le passage. Tu peux mettre ton titre toi-même. Différent entre le marabout et les serviteurs de Dieu. D'abord, une première question. Est-ce qu'il existe des prophètes actuellement? Bonne question, oui. Donc, première question. Tu peux dire, nous sommes le 30 de, novembre aujourd'hui. 30 novembre, écrit 30 novembre à Douala au Cameroun. Chez le frère Junior qui dérange. Tu ne déranges pas. C'est pas tout le temps qu'on est à Douala chez le frère Junior. Hein? Tu peux mettre ton assiette ici. Ça ne soulève aucune contestation. Voilà. Tu mets ton fesse, ici. Donc, question numéro 1. Y a-t-il encore des prophètes ce jour? C'est ça. Oui, sa question, non. Je veux que tu notes quand tu vas suivre, que ça ne dérange pas. Princesse, quitte là-bas. Princesse, il est quelle heure? Il est près de 22h. Tu dois dormir. Oui. Alors, chercher. Donc, nous sommes en train de travailler dans la Bible. Dans la Bible. Voilà. Écoutez. J'ai aussi écrit la Bible. Y a-t-il des prophètes à nos jours? Selon la Bible, c'est bien. Selon la Bible. Elle ne va pas tomber. Elle tombe. Tu vas tomber. Descends. Allez, descends. Voilà. Descends. Elle est montée seulement seule. Oui, j'ai écrit. Tu as des questions très intéressantes qui vont aider plusieurs de toute façon. Alors, d'abord, je prends ta pensée à toi, selon ta compréhension. À la question que tu m'as posée, s'il existe encore des prophètes de nos jours, tu penses quoi, toi? Tu crois que quoi, qu'il y a oui ou non? Quand tu vas, après avoir répondu à cela, je vais te poser une question subsidiaire. Toi, tu penses qu'il y en a encore? Je ne sais pas, frère. Mais tu dois savoir quelque chose, soit oui, soit non. Ça dépend de ce que pense le prophète. Oui. Non, je ne vais pas aller là-bas. Je vais parler de la définition du prophète. De façon, sans connaître l'étymologie du mot et l'origine du mot prophète en grec ou en hébreu, tu sais là ce que le prophète dit. Qui est le prophète? Élie, le prophète Élie, il était prophète. Dans la Bible, non. Oui, mais tu ne peux pas dire autrement, parce qu'on dit qu'il est prophète Élie. Il est prophète Élie. Et puis, mais ça, c'était l'Ancien Testament. Et il était capable de discuter avec Dieu, de parler avec Dieu. Donc, pour moi, c'est ça, prophète. Ok. Aujourd'hui, là. Il n'y a plus ça. Bon, donc, ça veut dire que finalement, tu as une idée. Donc, selon toi, il n'y a plus de prophète. Là, d'où ma question. Pourquoi il ne doit plus avoir de prophète? Sur quelle base? Tout ce que tu viens de dire, tu ne peux pas dire autrement, il y avait Moïse, tous les autres là étaient des prophètes. Quand Jésus est venu, il y avait des prophètes. Jean-Baptiste était un prophète. Jean qui l'a baptisé était un prophète. Oui. Jésus lui-même était un prophète. N'est-ce pas? Jésus est un prophète. C'est le prophète par excellence. Après Jésus, il y avait des prophètes, non?
Laisse que Mohamed dit là qu'il est le dernier des prophètes, d'accord? Oublions-le. Donc, après Jésus, dans la Bible, est-ce qu'on voit les prophètes après Jésus? Oui, oui, oui. Et les apôtres sont des prophètes. Ok, donc il y a des apôtres qui sont des prophètes, n'est-ce pas? Donc, quand Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. Après ça, est-ce qu'on voit des prophètes dans les Saintes Écritures? Oui. Voilà, donc je vois, il veut d'abord qu'on parte voir pour que les gens qui nous écoutent, s'ils voient cela, ils disent, ok, donc ici on parle quand même des prophètes après Jésus. Il veut qu'on commence d'abord par Hébreux chapitre 1, verset 1. Marabout est serviteur de Dieu. Non, c'est pas encore ça. Parce que tu as dit qu'il y avait une première question. Y a-t-il encore des prophètes de ce jour? C'est ça qu'on veut d'abord élucider. Okay. Après, on va finir, on va passer pour Marabout et serviteur de Dieu. Ok. Donc, le verset qui veut donner la première question. Hébreux 1, 1. Quand tu as libéré, je vais te dire. Ça là, tu n'aimes pas la Bible ici. Quelle Bible? Tu n'aimes pas notre Bible. Notre Bible est déchirée. Non, si tu peux t'en sortir, il n'y a pas de Bible qu'il n'aime pas. Si tu peux t'en sortir, si c'est ton problème. Tu m'as vu? Ah, Julien, moi, c'est la gueule. Non, ça c'est. C'est une version bizarre, bizarre. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Elle lit comme ça. Moi-même, je le lis le jour là. Depuis ça là, on ne le lit plus à la maison. Et puis l'autre est tout déchiré. Et puis, je ne pouvais pas le prendre. C'est quand il a dit que quand je voyais, je lisais l'autre, il y avait vraiment une grande différence. Bible en français courant, good news. C'est français courant. Français courant. Ces choses en Ilan, en tout cas, on va y revenir dans notre enseignement. Bon, on y va. Donc, nous allons lire Hébreux. Est-ce que moi j'ai la Bible là? Oui, c'est ça que tu m'as dépassé aussi. De quoi? Parce que il travaille dans la Bible, c'est comme si la Bible. Et puis tu lui poses les questions, il a toutes les questions dans les son réponses. Cœur. Les réponses, et puis c'est ça que j'ai dit parfois. Tu vois, parfois là, je regarde comme ça, là, j'ai dit le gars, c'est. Après, de l'autre côté, quand il vient encore, j'ai dit, ah, après. Donc, quand tu travailles sur Skype, parce que tu me suivais, c'est moi souvent. Bien sûr. On pose n'importe quelle question. Mais tu as toutes les réponses, et puis c'est ça qui me surprend. Ok, maintenant, tu vois, maintenant en live. Mais voici mon téléphone devant moi. Tu as la à un moment donné, je pensais, je n'ai pas dit à tonton car, je pensais que grâce. A une Bible derrière. Oui, non, non, non. Que toi, tu avais même les trucs dans les oreilles que quelqu'un te donnait les versets. Je te jure, c'est ça. Tu vas me tuer, c'est moi ici. Moi, je dis toujours tout ce que je pense. Non, mais que c'est bien, d'accord? Alors maintenant. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Oui. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers. Voilà, c'est bon. Il est aussi établi, héritier de toutes choses. Bon. Dans ce passage, les gens qui disent, parce qu'il y a des groupes au milieu chrétien, qui disent qu'il n'y a plus de prophètes de nos jours, utilisent ce verset. Et ce verset, c'est en train de donner un renseignement pour parler d'un point de départ, pour expliquer quelque chose qui est arrivé. Est-ce que je peux te dire ce que je comprends? Quand je lis ce verset, je comprends. Ce que je lis, c'est que autrefois, le Seigneur ne parlait pas des prophètes. Exactement. Comme on dit que tu as parlé de Moïse et au-delà. Et que maintenant, il nous a parlé par son Fils. Voilà. Et il nous a parlé quoi? De la parole. Quelle parole? Il nous a... Donc tu vois qu'ici, il faut définir quelque chose. Qu'est-ce que Dieu parlait au travers de ses prophètes? Et qu'est-ce que Dieu a parlé au travers de Jésus? Voilà la quintessence là-bas. Suis attentivement maintenant, sois concentré, d'accord? Ton téléphone est éteint. Voilà, donc je veux toute ta attention maintenant là, d'accord? Ça veut dire, je viens de prendre ces versets pour dire qu'il y a des gens dans le monde qui prennent ces versets pour dire, ici on voit que Dieu a parlé par le prophète, en ces derniers temps-ci, il a parlé par le Fils. Il s'arrête là-bas. La question c'est, qu'est-ce qu'il a parlé? Qu'est-ce que Dieu parle? Pourquoi il parle au travers des prophètes? Et pourquoi, qu'est-ce qu'il a dit au travers de ces prophètes? Qu'est-ce qu'il a dit au travers du Seigneur Attends, Jésus? Je réfléchis un peu. Oui, réfléchis-nous ça. Si je prends le frère Élie, ton homonyme. Élie, le prophète, le type chic. Élie, lui, il est venu. Bon, maintenant, c'était pour changer notre comportement. Non, leur comportement dans le temps. Leur comportement dans le temps. Oui. De changer le comportement. Pour dire que tournez-vous vers le Seigneur. Le Seigneur, il a envoyé le peuple Israël dans le désert pour un but, pour aller le louer. Okay. Pour le servir. Oui. En de temps, beaucoup de générations sont passées sur la terre. Je suis attentif. Je crois qu'au fur et à mesure, les versions de l'événement sont affichées devant de toi maintenant. D'accord? Note Amos chapitre 3. Amos.
Donc je vais revenir encore sur les Hébreux 1 ici. Il faut que chapitre 3, verset 7. Bon, donc, non, page 3 à 7. 3 mais 2 points. Parce que le premier chiffre, c'est bon, verset même V. Voilà, donc chapitre 3, verset 7. Donc d'après ces Hébreux-là, il dit les gens prennent ça pour dire que voici, on dit clairement que dans le dernier temps, Dieu a parlé par le Fils. Oui. Or, à l'instant où nous trouvons, où cette personne, si lui-même écrivait, c'est elle-même écrivait, il n'y avait plus le Fils. C'est-à-dire que Jésus n'était plus là. Puisqu'il a dit qu'il nous a parlé par le Fils. Donc, à l'instant où il a écrit, le Fils n'est plus là. Oui, il a déjà parlé. Il a déjà parlé. Donc, on s'attendra que, d'après cette démonstration-ci, après lui, qu'on lui a parlé, qu'il n'y ait plus des prophètes. Parce qu'il prend ce verset pour dire qu'il n'y a plus de prophètes. Pourquoi il n'y a pas de prophètes? Que Dieu a déjà parlé par le Fils. Donc, il n'y a plus de prophètes. Acte des apôtres, ouvrons. Acte des apôtres, ça c'est Hébreux, là, donc tu rentres. Et s'il te plaît, quand tu vas ouvrir l'acte des apôtres, tu mets le stylo parce qu'on va parcourir beaucoup de versets dans l'acte des apôtres. Acte des apôtres. Bienvenue encore au Cameroun. Je l'ai appris. Oui. Acte des apôtres. Tu y es. Non, tu vas mettre le stylo dans l'acte des apôtres plutôt. Michel. Ok. Ouvre le chapitre 13. Acte des apôtres 13. Versets 1 et 2. Tu nous lis ce qui s'écrit. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes. Stop. Donc, à partir des versets, on s'arrête déjà. Dans l'église d'Antioche, l'église ne fonctionne pas quand Jésus-Christ est sur la terre. Parce que l'acte des apôtres, au chapitre 1, quand Jésus finit de leur parler de leurs recommandations, il monte au ciel. Il monte devant les yeux et une nuit les dérobe. Eux, ils vont à Jérusalem, ils montent dans la chambre où le Saint-Esprit descend sur eux. Donc, Jésus-Christ n'est plus là. Donc, voilà l'église qui est née dans l'acte des apôtres, chapitre 2. Ils continuent leur fonctionnement. On vient nous expliquer ici qu'il y avait dans l'église d'Antioche, à Antioche, en Syrie là-bas, il y avait donc des prophètes et des docteurs. On cite leur nom. D'accord? Alors, sommes au chapitre 13, comme tu as noté le verset, alors rentre au chapitre 11, écris aussi, écris. Chapitre 11. Tu as vu que quelqu'un a mis souffler ça dans l'oreille, non? Mais tu as dit que souvent tu penses que. J'ai dit, je croyais. Parce que je ne comprenais pas comment tu connaissais les versets comme ça. Là. Ok, ouvre le verset, note le verset 27 à 29. C'est 27 à 29. Lis-nous ça. On dit, en ce temps-là, des prophètes se rendirent à Jérusalem, de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, guidé par l'Esprit Saint, se mit à annoncer qu'il y aurait bientôt une grande famine sur toute la terre. Donc voilà quelqu'un. On va s'attacher sur ces versets-ci principalement pour développer. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Attends un peu. Est-ce que ce n'est pas les gens qui pleuraient Jésus et que Jésus leur a dit on est non, ce n'est pas ça. Attends, Jésus n'est plus là. D'accord. Ok, attends un peu. Attends un peu. En ce temps-là, des prophètes se rendirent à Jérusalem, de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus. Donc on n'a pas donné le nom, on a dit des prophètes. Donc ils étaient nombreux. On cite spécifiquement l'un, le nom de l'un. Guidé par l'Esprit Saint, se mit à annoncer qu'il y aurait bientôt une famine sur toute la terre. Donc il est venu donner un événement pour prédire un événement qui est censé arriver. La suite dit que cet événement est arrivé là, effectivement sous Claude. Continue la suite. Elle eut lieu, en effet, à l'époque où Claude était empereur. Donc, une fois de plus, nous voyons que cette position se passe quand Jésus n'est plus sur la terre. Pourtant, d'après là où nous avons commencé, Hébreux 1:1, on dit qu'il a parlé par le Fils. Or, quand les gens utilisent les brebis pour tordre le sens, on n'a pas dit comme il a parlé par le Fils, il n'y aura plus de prophète. Ça veut dire que comme il a parlé, c'est terminé. L'appel de Paul, je crois que je vais parler, c'était une version de l'écriture, d'accord? L'appel de Paul est un appel prophétique d'abord. C'est l'appel des prophètes là-bas. Maintenant, quand dans l'appel de Paul, si vous lisez le chapitre 9 des Actes des Apôtres, chapitre 22 et chapitre 26, Jésus dit à Paul, j'ai un instrument que j'ai choisi pour les choses, je vais lui montrer les choses qu'il a vues et les choses pour que j'en vais encore me révéler à lui. Je vais lui me montrer à lui. Donc tu vois effectivement qu'il y a des choses que Jésus n'a pas encore fait qu'il doit montrer. Tu me suis? Il a dit que pour les choses que je vais encore lui montrer. C'est-à-dire que
quand Jésus est venu sur la terre, il n'a pas tout donné. Oui. Tu as bien suivi ça, n'est-ce pas? Parce qu'il dit à Paul qu'il y a des choses encore qu'il veut encore lui donner. Parce que le Seigneur, il a fait une partie. Une partie. Et il a utilisé l'apôtre Paul déjà pour compléter. Un instrument pour compléter. Un instrument, oui. Il a dit qu'il sera un instrument. Entre mes mains. Entre mes mains. Voilà. Maintenant, pour porter mon nom devant les rois. Suis attentivement. Jésus a fait une partie. Et Paul lui dit dans ses écrits que c'est que qui manque aux souffrants de Christ à la croix. Oui. Tu as vu cela? Oui, il dit oui. Il le complète. Il le complète. C'est terrible. Si c'est un être humain qui dit ça aujourd'hui, c'est qu'on va dire que c'est. Oui. C'est qu'on va déchirer les vêtements de quelqu'un. Il se prend pour qui celui-là? Mm-hmm. C'est audacieux de dire cela dans les écritures, ce qu'il a donné de dire. Mm-hmm. Ce qui était fait, ce qui devrait être fait par Christ, il l'a fait. Parce que personne ne peut porter le poids du péché. Non. D'accord? Mais maintenant, il y a des choses qui sont censées être faites par la suite après la croix. D'accord? Dans Acte chapitre 20, donc, Paul dit, notamment Acte chapitre 20, il dit: je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Oui. Ça pose encore un problème. Parce que si Christ avait déjà tout annoncé le conseil de Dieu, quelqu'un d'autre ne devait plus venir annoncer quoi que ce soit. Si Christ avait déjà tout dit, puisque Hébreux 1 dit, au dernier jour, Dieu nous a parlé par le Fils. Tu comprends? Bon, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la famine qui devait arriver sous Claude? Est-ce que le Fils a dit quelque chose? Quand Jésus était sur la terre, il a parlé d'une famine qui devait arriver? Non. Non. Mais là-bas, on dit qu'Agabus est venu. Quand le mois s'approchait, Agabus est venu dire que, hey, il y a une famine qui est en train d'arriver. Il a dit sur toute la terre. Or, il se trouve en Syrie, en Antioche, en Syrie, là où il y a la guerre maintenant. Donc, ceux qui étaient, s'il y avait des gens en Égypte, ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Mais les chrétiens étaient préparés, ceux qui étaient dans la zone. Parce que la suite dit que les chrétiens sont résolus maintenant de se partager les choses entre eux. D'accord? Tu me suis, n'est-ce pas? Donc, je vais positionner quelque chose. Quand Christ vient sur la terre, on dit, Dieu, dans l'ancienne alliance, il a parlé par les prophètes. On donne les noms Jérémie, Daniel et tous les autres. Dans le dernier temps, il a parlé par le Fils. Il dit, le fait qu'il ait parlé par le Fils ne veut pas dire qu'il a arrêté les prophètes. Ça, c'est la première chose. Parce qu'après lui, voilà les prophètes qu'on a de voix qui continuent. Bien plus encore, Hébreux Éphésiens, chapitre 4, verset 8 à 11. Nous dit ici que quand Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre, il est monté, il a fait le don homme, il a donné le don homme. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Il a fait. Or, tu vois cela? Bon, le problème, c'est même pas que il a fait. Les gens peuvent dire que non, ça, c'est les premiers apôtres. Oui, c'est ça aussi. Il a dit que ceux-là doivent être là jusqu'au perfectionnement de l'Église. Que tout le monde, tous les gens qui sont censés être conditionnés et arrivent à la stature parfaite de Christ. Il est dit dans l'Écriture, quand il est monté vers les auteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Mm-hmm. Or, que veut dire il est monté? Cela présuppose qu'il est aussi descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Parce que tu ne peux pas monter sans être en bas. Celui qui est descendu mm-hmm. est... Non, celui qui est descendu mm-hmm. aussi... Celui qui est monté, celui qui est descendu. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux. Oui. Afin de remplir tout l'univers. Mm-hmm. Non, c'est parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure là, mm-hmm. en disant que... Que pour les apôtres, il a donné les apôtres. Continue, oui, ça se trouve devant, continue. Ok, celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux afin de remplir tout l'univers. Mm-hmm. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Oui. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, mm-hmm. d'autres encore des évangélistes, mm-hmm. des pasteurs ou des enseignants. Voilà, maintenant ça arrête donc là-bas. Maintenant, ça, il a dit que voici les cinq groupes enfin, qu'on peut réduire en quatre qu'il a donné. Mm-hmm. Maintenant, disons le pourquoi ils ont donné. On va se poser la question. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service. Oui. C'est quoi son service? Le service qu'il nous a donné, qu'on a fait l'adorer. Sur la terre. Oui. L'adorer, faire différentes choses, amener les gens à marcher comme il se doit, parce qu'on est dans le dérèglement. Oui. Pour faire croître le corps du Christ. Oui. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes mm-hmm. dont le développement atteindra la stature, ouais. atteindra à la stature parfaite du Christ. Voilà, retourne là-bas. Est-ce que nous sommes dans l'unité de la foi? Comme tu as dit tout à l'heure que tu me posais que tu étais avant nous.
Non, il ne te persécutait pas. Tu disais seulement que je suis fou. Donc, en tout cas, le point ici, c'est que ces gens s'y sont donnés pour qu'on arrive au perfectionnement, à l'unité de la foi. Donc, ça présuppose une fois de plus que si l'unité de la foi n'est pas arrivée, le corps, parce que c'est pour le corps de Christ qu'ils sont donnés. Mm-hmm. Si le corps de Christ n'est pas arrivé comme Dieu veut, ces gens-ci doivent être sur la terre parce que ce sont eux qui doivent développer le corps. Mm-hmm. Je pense que tu comprends. Mm-hmm. Le sacrifice, le sacerdoce d'Aaron, tant que le moment prévu que le sacerdoce doit passer, n'est pas passé, il doit y avoir des lévites, il doit y avoir des sacrificateurs qui vont toujours se relayer. On voit dans le livre de Luc, le cas de Zacharie et Élisabeth, la tante de Élisabeth. On voit que même quand Jésus venait, la sacrificature est continuée. Mais quand tu vois effectivement qu'après Jésus est parti, d'abord on commence à parler que les sacrificateurs de foi et haut là-bas, c'est disparu. Mm-hmm. Jusqu'à maintenant, ils ne sont plus là. Mm-hmm. Tu as vu? Bon, c'est vrai, on dit que son époque est passée. J'ai une question pour toi. Pose-moi la question. La question. Et je donne la réponse à toi. Hmm? Tu peux me poser la question, je donne la réponse. Ok. La question que je me pose quand je regarde un peu le verset où on parle de prophètes ici là, d'autres encore apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. Oui. La question que je pose aujourd'hui, si on n'est pas fait à l'église et que le Seigneur lui-même il a dit qu'il y aura des pasteurs, comment ça se fait? Bonne question. La question maintenant que je te pose moi, c'est que dans la Bible, il faisait comment? Ceux-là qui étaient là les premiers, comment ils faisaient? Pour que tu, comme tu entends la notion de partir à l'église, eux ils faisaient comment? Ils se rassemblaient. Où? Tu as vu le problème, n'est-ce pas? Donc, c'est leur fonctionnement qu'on doit suivre. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là... Note encore. Pourquoi est-ce que les pasteurs qu'on a dans les églises sont différents de ces pasteurs chiffrés? Voilà, comme toi-même, tu as montré qu'ils sont différents de ce qui est écrit dans la Bible. Moi, je te poserai la question plutôt, ok, s'ils sont différents, qui est-ce qu'on doit suivre, la Bible ou eux? C'est la Bible, bien sûr. Alors, donc, c'est pour ça qu'ils maintiennent la Bible. D'accord. Le pasteur qui est ici. Je m'en tiens à la Bible. Si le fonctionnement de la Bible, je m'en tiens à cela. Mm-hmm. Les autres qui sont venus, je ne peux pas justifier. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Mm-hmm. Mais je m'en tiens à ce que la Bible dit. Je pose la question, comment la Bible dit qu'on doit fonctionner? On répond. Est-ce que ça répond? On dit oui. Mm-hmm. Je fonctionne comme ça. Oui. Les autres, Dieu va les amener, va les poser la question. Mais la question que je veux te poser, c'est que est-ce qu'il y a encore des pasteurs aujourd'hui? Non, la même question est valable pour apôtres. Prophète, parce que c'est ça qu'on a dit de répondre là. D'accord, parce que tu as parlé des prophètes. La même question est sur le cas des prophètes, des apôtres. Donc, avec ce qu'on dit là, ça touche donc les tous les chrétiens. On va donc, il y aura, oui, les prophètes sont encore là. Parce que le Seigneur lui-même, il dit, il veut dire que. Ils doivent être là jusqu'au perfectionnement des saints. Parce qu'on n'est pas encore arrivé. Non, la question, c'est là où je pose la question. Est-ce qu'on est arrivé? Si je dis oui, c'est que normalement, on n'a plus besoin de foi que ce soit. Si je dis non, c'est parce qu'ils doivent être là. Rentre au chapitre 2. Écris chapitre 2. Où ça? Éphésiens, tout dans Éphésiens, chapitre 2. Chapitre 2, mets le verset 20. Il dit, vous êtes intégrés dans la construction, dans la fondation. Les apôtres et les prophètes. Bon, vous êtes attendu. Ils sont la fondation. Ok. Bon, je pose. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Bon, j'ai dit, vous êtes intégré. Donc, on vous apprend. Intégré, ça veut dire qu'on t'a mis à l'intérieur. Oui. C'est ta version qui est en train de dire. Il prend selon ta version. Vous êtes intégré dans la fondation, donc dans le corps. Donc, les apôtres et les prophètes sont la fondation. Bon, ça veut dire qu'à un moment donné, la fondation, ces maisons, c'est fait en quoi? Ça. En brique. En brique, ok. En bas, la construction est faite en quoi? Où ça? Voilà la fondation, c'est le papier qui sont partout là, non? Oui, oui, oui. Alors, dont la fondation, la nature de la fondation ne change pas. Dieu a utilisé les prophètes pour le faire, pour le fonder. Oui, les prophètes sont toujours pour le stabiliser. La base. Oui. La base, c'est le prophète. Parce que on l'appelle, Jésus est appelé le Dieu des esprits des prophètes. Attends un peu. Il faut souligner. Attends un peu. Donc, tu encadres. Il dit, vous êtes intégrés dans la construction dont la fondation sont les apôtres et les prophètes. Voilà. Et la pierre angulaire. Jésus-Christ. C'est parce que tout à l'heure, il a parlé des enseignants, des pasteurs et tout là. Et ici là, il ne parle plus des pasteurs, il parle seulement des prophètes. Est-ce que tu sais pourquoi? Attends, j'ai réfléchi. Réfléchis là, mais moi, attends.
Ici, là, il parle seulement des prophètes. Et des ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le rôle des pasteurs et des trucs là, les apôtres. Ça veut dire concrètement, c'est pourquoi on ne casse pas la tête pour avancer. Ça veut dire que la fondation de l'église, la fondation, la notion de la fondation de l'église et des révélations de l'église sont données aux prophètes et aux apôtres de Jésus. Ce sont que la base. Donc ça veut dire que quelqu'un ne peut pas venir, parce qu'il ne peut pas venir dire que Dieu va donner la révélation, qu'il va bâtir l'église, c'est les histoires. Strictement parlant, selon les écritures, ça n'a pas de sens. Quand j'entends qu'un pasteur dit que j'ai ma vision de mon église, c'est pas la règle de l'écriture là-bas. Parce que la base de l'écriture, c'est les apôtres et les prophètes. Donc tu vois que si quelqu'un dit qu'on a éliminé les prophètes, il n'y a plus d'apôtres et les prophètes, c'est pour ça qu'il pose des questions à ces gens-là. Montre-moi sur quelle base un enseignant va être là. Parce que sans apôtres, sans prophètes, il n'y a pas d'église. Est-ce que tu sais? Parce qu'on ne peut pas avoir une maison si on n'a pas de base. Voilà, moi je te pose la question. Bon, on va voir dans le rôle des prophètes. Regarde bien. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Satan a fait cela dans le corps de Christ. C'est pour ça que tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que j'ai avancé là maintenant. C'est pour cela qu'il peut avoir les pasteurs magiciens au milieu chrétien, des pasteurs marabouts au milieu chrétien, parce que des sorciers francs-maçons au milieu chrétien. Ils ne peuvent pas être à la base. Parce que les gens ont éliminé le prophète, on ne connaît ça. Ça fait des années qu'on ne connaît plus qui est le prophète, qui est le vrai. Et par conséquent, c'est que tu vois le marabout faire, les pasteurs aussi le font. Oui, c'est ça. Grave encore, il y a des pasteurs qui donnent les urines, les mille pattes. Oui, c'est le ça. Le serpent aux gens de manger. Même les marabouts ne font pas comme Et puis ça. Les gens font tellement de. Comment te dire? On cherche tellement les trucs bizarres. Bizarre pour faire. Bizarre pour faire, pour impressionner le monde qu'on est prêt à prendre. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille dans la simplicité des écritures. D'accord? Donc, le prophète est le visionnaire. Quand il parle de visionnaire, c'est celui qui doit regarder. S'il y a quelqu'un qui doit être un surveillant principal, principalement en regardant tous les aspects de ce qui allait se passer, c'est le prophète. Pour l'apôtre. Pour certains apôtres. Quand tu regardes les saints écritures dans le livre d'Apocalypse, il dit que j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que le Seigneur devait me révéler après qu'il ait donné ma requête. Tu as vu? Donc, le prophète doit être à son poste pour faire. Parce que quand Dieu fait n'importe quoi sur la terre, tu as noté ici, à mon chapitre 3, verset 7, il est dit dans ce verset-ci, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sur la terre sans avoir averti ou me montrer ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce qu'il y a encore des apôtres encore? On arrive, ne t'inquiète pas. La question là est répondue avec l'autre question. Parce que c'est la fondation, c'est les apôtres. Ah oui, c'est qu'il y a les prophètes. Si le prophète est là, l'apôtre doit être là. Oui, parce que sans les apôtres, il n'y a pas de base. L'apôtre a son rôle. Le prophète a son rôle. Parce que s'il y a une fondation, tu dis qu'il y a l'apôtre, il n'y a pas de prophète, il y a le prophète, il n'y a pas l'apôtre, ça n'a pas de sens. D'accord? Attends un peu. L'apôtre Pierre, il était apôtre et prophète. Oui. Même Jean aussi. Les apôtres, ils sont. Non, pas tous. Okay. Donc, c'est leur office est différent. Je peux avancer. Ouvre Amos chapitre 3. Donc, nous avons retenu dans le livre d'Éphésiens chapitre 20 que tout le monde est intégré. Dans la version du Seigneur, il dit: vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Dans ta version, le Coran dit que vous avez été intégré. Vous avez intégré. C'est l'Ancien Testament. Amos. Amos. Je sais. Voilà. Mais tu as accordé ça à toi, tu? Oui, je l'ai accordé parce que ça, tu ne t'en sortais pas. Tu veux que quand on dit à Suska, là, on part, tu trouves directement. Eh oui. Mais je suis là, il lit. Bon. Avant, c'est après Jérémie. Hein? Oui, de loin devant. Mais après, c'est viens, dès que tu vas voir Michel, c'est aux environs. Naoud, Malachie. Voilà, je viens de. Non, rentre maintenant doucement. Naoud. Tu as vu Amos, non? Ouvre le chapitre 3. Donc, nous allons les écouter, nous répondons aux questions. Donc, la vraie base, même, c'est l'apôtre, c'est les apôtres et. Bibliquement parlant, ce sont les pasteurs qui ont des visions pour construire l'église. Quand tout ce que tu as de voir là, ce n'est pas comme ça. Oui, parce que ce n'est pas eux qui sont à la base. Ce n'est pas le sens. On y va. Chaque pasteur dit que je suis le pasteur principal de telle église. Le pasteur, tel. C'est ce que le pasteur lui-même dit, comment c'est le thème pour l'année. À vrai dire, oui. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans révélation. Ses intentions sans révéler ses intentions à ses serviteurs les prophètes. Bon, maintenant on va s'arrêter sur cette question, sur ce passage. Si tu as bien lu, on se pose des questions, on peut y aller. Est-ce que aujourd'hui le Dieu qui était dans l'Ancien Testament fait encore des choses sur la terre? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'il peut faire sur la terre? Bon, d'après cela, qu'est-ce que le verset s'est dit? S'il veut faire ça, il veut faire cela.
À qui? À ses prophètes. Voilà. Donc ça veut dire que s'il doit faire quelque chose, il faut qu'il y ait qui sur la terre? Les prophètes. Les prophètes. Donc même ce verset-là répond, non, n'est-ce pas? J'ai une question pour toi. Oui, toujours moi. Avec ce qui s'est passé à Bafoussam là. Oui. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été révélé? Qui t'a dit? Qui t'a dit que ça n'a pas été révélé? Bon, parce que je n'ai pas entendu. Bon, chez vous, laisse le Bafoussam. Les vents qui passent sur chaque fois à Vancouver, ça nettoie partout là-bas. Vous entendez quand Dieu parle? Ce qui aux États-Unis, pour les États-Unis, il parlait de ce qui va arriver, la catastrophe va arriver. Les gens ont entendu, les gens changent. Jérémie lui-même, que tu as cité tout à l'heure, là, il a annoncé par là pour plus de 20 ans. Les gens ont entendu, ils ont changé. Qui te dit donc que Dieu n'a pas annoncé? Tu voulais qu'il passe par les radios, par la télévision, pas par les qu'on comprend. Tu penses que quand celui-ci allait parler, Amos allait parler, tout le monde qui était sur la terre était au courant de ce qu'il disait. Donc il avait dit. Il avait dit. Bon, sur le Cameroun, il y a combien de prophéties qui sont données sur le Cameroun? Ils sont en train d'entendre. Je n'écoute pas souvent les prophéties. Ok, ben voilà, ça veut dire que c'est même si on avait donné pour Nguache. Ouais. Tu n'es pas au courant. Donc avançons. Donc d'après ce que nous avons lu dans ce livre de Malachie chapitre 7, chapitre 3, verset 7, il dit qu'à vrai dire, dans ta version, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sur la terre sans avoir révélé ses intentions. Ça veut dire qu'il y a une intention, Dieu a quelque chose. Regarde. Dans Actes des Apôtres, nous avons lu, et là, j'ai dit qu'on devait s'y atteler, au chapitre 11, verset 27 à 29, il est dit qu'en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem pour Antioche. L'un nommé Agabus s'éleva et annonça par le Saint-Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Donc il dit, Dieu appelle une grande famine sur la terre. Bon, maintenant, si il y a une personne sur la terre pour avertir les gens, ça va surprendre tout le monde. Donc il se lève pour dire, il ne marche pas pour aller dire à n'importe qui, il y a telle chose. Il dit ça aux croyants parce que Dieu ne doit pas punir les justes et les injustes de la même façon. Il fait le parce que la suite du verset dit que quand il a dit ça, maintenant les frais se sont préparés en conséquence. Depuis des années, on dit achetez le riz, n'est-ce pas? Le Cameroun, achetez le riz, stockez le riz parce qu'il y a un événement d'arriver. La détresse arrive. On regarde, vous savez. Mais j'ai écouté. Le Cameroun était un îlot de paix. J'ai écouté ce message-là, mais je me suis dit que comme l'organe n'est pas arrivé. Non, la détresse est arrivée. La détresse s'est arrêtée. Bon, tu t'amuses maintenant. J'ai fait précipiter la détresse sur le pays. Tu t'as laissé au pays. Toi, tu vis ça. Non. Il faut que tu rentres. Ah, donc tu veux rentrer au Canada pour nous rester sur le sol. Non, j'ai ma famille. Et puis vous êtes là, non. Bon, la détresse va arriver. Le Seigneur. Quand celui-ci en train de dire là-bas que Dieu appelle la famine sur la terre, ce n'est pas une option. Dieu a donné ses intentions qu'il en est d'appeler la famine. Pourquoi Dieu peut être au ciel? Il décide de frapper la culture sur la terre pour que les gens souffrent de famine. Pour les amener. Pour les amener à la repentance. Il dit oser. Je parle tantôt. J'ai dit d'une façon ici. Et puis, et là, tu ne m'écoutes pas. Je frappe ici. Je t'amène dans le désert. Dans le désert pour parler à ton cœur. Tu as vu cela? Voilà. Donc, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fait ça. Parce que quand il y a 100 personnes, on dit que Dieu existe. Dieu était où? Oui. Donc, quand il marchait chaque jour, il voyageait, il protégeait les gens là. Vous avez compris qu'il était là. Hein? Quand il faisait pompe, chacun se reste tranquille au niveau de Dieu. Il dit, la vie, c'est même quoi? Regarde ce qui est arrivé au musicien ivoirien, on s'appelle celui, le gars qui a les têtes de mort partout. L'angolais. L'ivoirien là, qui est mort avec la moto. Le jeune là, j'ai. Oui, mais de toute façon, après sa mort, il y a une femme, je crois que j'ai entendu dire qu'il y a une fille aussi en Côte d'Ivoire qui a dit que la façon que le musicien meurt là, moi, quitte-moi la musique là, le coupé de galets. Tu vois, celle-ci, quelque chose l'a touché pour qu'elle dise que ça, quelque chose, il y a quelque chose d'anormal dans cette mort-ci. Oh, ça veut dire que la mort de quelqu'un a amené quelqu'un d'autre à la repentance. Dans la Bible, on voit effectivement ça. Quand Ananias a été frappé dans l'église avec sa femme Ananias, la crainte s'est emparée d'autres personnes. Dieu peut utiliser la mort de quelqu'un pour corriger une autre personne. Dieu peut utiliser la destruction de tout un peuple pour pouvoir amener une personne à lui. D'accord? Donc, en restant dans le livre des Actes, chapitre 11, verset 27, quand celui-là se lève pour dire il doit avoir une famille sur la terre, j'ai dit on va se positionner sur ça pour bien parler, parce que cette personne se parle après Jésus. Parce que le Fils est venu annoncer la parole. C'est pour ça qu'il pose la question, qu'est-ce qui est censé annoncer? Qu'est-ce que les apôtres annoncent? Qu'est-ce que les anciens pouvaient annoncer? Maintenant, il se met là-bas. Dans le message de Jésus, il a dit de façon générale des grandes prophéties qui vont arriver. Il a dit qu'il y aura des famines sur la terre. Ouais. Il y aura des guerres. Ok, quand la guerre va arriver, tu sais que quand c'est à quel moment ça va arriver. Dans quel pays, il y aura des tremblements de terre en ces différents lieux. Maintenant, un prophète se met à dire qu'à Guatemala, il y aura des tremblements de terre. En tel jour, il y aura des tremblements de terre. Tu vois un peu, justement, les gens se préparent. Parce que c'est au moment où on est arrivé. Donc, Jésus a donné les grandes lignes de prophétie. Quand le moment est arrivé, il envoie ses serviteurs sur la terre, dit annoncer tel événement. Annoncer tel événement. Donc, dit que Jésus, qui a pris les prophètes sur la terre, s'est fait preuve de mauvaise foi vis-à-vis de l'Écriture. Parce que l'Écriture dit le contraire. Tant
qu'on n'est pas arrivé au niveau de la statue parfaite de Christ, les prophètes seront sur la terre. Oui. Bien plus. La base. La base. Bien plus. On va aller dans l'Apocalypse qui est le dernier livre. D'accord. Allons, ouvrons. Apocalypse, prenons chapitre 10. Que Dieu te bénisse pour cette question-là. Nous sommes encore la première. Chapitre 10. Allons-y à partir du verset 1 doucement. C'est pas long, le chapitre 10 n'est pas long. Ok. Je vis ensuite un autre ange puissant descendre du ciel. Il était enveloppé d'un nuage et un arc-en-ciel couronnait sa tête. Mmh. Son visage était comme le soleil et ses jambes étaient pareilles à des colonnes de feu. Mmh. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Mmh. Il posa le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Mmh. Oh, c'est qui ça? On va le chercher. Ça c'est quand tu as lu ange, c'est ange. Mais on va le chercher un autre jour dans un autre enseignement. Continuons, suivons. Il tenait. Ok, bon, on a déjà lu. Il cria, verset 3. Mm-hmm. Il cria avec force, comme un lion qui rugit. Oui. À son cri, répondit le grondement de cette tonnerre. Oui. Verset 4. J'allais mettre par écrit ce qu'il avait dit, mais j'entendis une voix du ciel me donner cet ordre. Mm-hmm. Tiens secret le message des sept tonnerres. Oui. Ne l'écris pas. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et fit un serment au nom de Dieu qui vit pour toujours. Il n'y aurait plus de délai. Qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mm-hmm. L'ange déclara, il n'y aura plus de délai. Mm-hmm. C'est comment ça? Je vais souligner ça. Je vais juste souligner. Il faut mettre une note comme ça, tu vas vite te retrouver. Oui. Verset 7. Mais au moment où les sept anges se mettra à sonner de la trompette, alors Dieu réalisera son plan secret, comme il avait annoncé à ses serviteurs les prophètes. Une fois de plus, il avait annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc il y a certaines choses que Dieu avait dit aux serviteurs les prophètes, que le moment va arriver, telle chose va arriver sur la terre. C'est ça le secret là. Non, attends, c'est pas le moment là-bas. Il ne t'a pas donné le secret comme cela. Pas qu'il donne tout le secret. Je peux donner, c'est comme ça, tu rentres à... Bon, on continue. Verset 8. Puis, la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau en ces termes. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Oui. Je m'approchai de l'ange et je lui demandai de me remettre le petit livre. Mmh. Il me répondit, prends-le et mange-le. Mmh. Il sera amer dans ton estomac, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Oui. Puis, verset 10. Oui. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai. Oui. Et le mangeai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, il devint amer dans mon estomac. On va conclure avec après qu'il ait mangé le livre. C'est là où je vais t'en venir. Quand il va finir de manger, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ça devient amer dans son estomac. Non, c'est pas ça le problème. C'est l'effet du livre. Mm-hmm. Il va venir cela dans cet endroit. Bon, tu peux manger le livre aussi. Non. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Ouais, c'est ça. On se trouve dans l'esprit. Dans la bouche, on sait que. Oui. Mais dans l'estomac, on ne sait même pas. Oui, mais ça pourtant, n'a pas de goût. Ce qui se passe là, ce n'est pas physique. C'est quelque chose qui se passe. Ça, c'est un prophète. Bon, alors, continuons. Verset 11. On me dit alors, il faut une fois encore que tu annonces ce que Dieu a prévu. Oui. Pour beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ça, c'est le quel verset? Verset 11. Prends ça dans la version du second de ton téléphone. Mon téléphone est éteint. Ok, ok. Pourquoi tu as deux chapitres 10 là-bas? C'est quoi ça? C'est en anglais et en français. Ok, donc il y a l'anglais, c'est en français. C'est terrible. Non, n'allume pas.
D'accord, vous connaissez, on allume le bar, on s'est dit que le WhatsApp Toto est venu. C'est quel message ça? Donc, on va lire ici au chapitre 10, verset 11, le dernier verset. Donc, tu vois, il dit, lire ici le 10 et 11 une fois. Ok. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mmh. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, oui. de nations, oui. de langues et de rois. Là, ça pose problème maintenant aux chrétiens modernes. Pour ceux qui ont la conception prophète, des prophètes qui disent que non, le prophète doit seulement être dans l'église. Tu parles de quoi sur les nations? Pourquoi tu parles sur le pays? Parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est qu'un prophète et quel est son rôle. Celui-ci, on lui dit, on n'a pas dit qu'il va dans l'église. On dit que quand il a fini de manger le livre, on a dit que, ok, comme tu as fini de manger le livre là, le but pour lequel tu as mangé, c'était pour te faire pour que tu prophétises désormais maintenant sur les nations, des peuples et des langues. Donc il y a des choses que Dieu va encore faire. Or, ça, si tu lis le chapitre 1, verset 1, il dit qu'il était sur le livre appelé Palmos à cause de. Tu dis quoi? Hébreux 1, verset 1. Non, il dit, à ce livre, c'est Apocalypse chapitre 1, verset 1. Il dit que dans le premier verset, il est dit que Jean, c'était révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit venir bientôt. Et il dit effectivement, Jean se présente comme, il dit qu'il était sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu. Mm-hmm. Ce qu'il veut dire, c'est que quoi? C'est que ici, une fois de plus, on voit que c'est Jésus ressuscité et revenu dans la puissance du Saint-Esprit qui lui montre le livre d'Apocalypse, le livre des révélations, d'accord? Donc, il dit donc, ici, il dit qu'après avoir mangé le livre de là, il dit qu'il faut que tu prophétises sur beaucoup de peuples. Mm-hmm. Il faut que tu prophétises. Or, Jésus était venu, il est mort, on attend sa venue. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Parce que quand les gens qui disent qu'il n'y a plus de prophète, ils disent que non, il y a déjà tout dans la parole. Mm-hmm. S'il y a déjà tout dans la parole, dans ce cas, ceux-ci doivent dire quoi sur la nation? Qu'est-ce que Dieu dit sur la nation camerounaise? Parce que Dieu ne se tait pas maintenant, Dieu ne se tait pas. Et ça se comprend. Qu'est-ce que Dieu dit pour ta famille? Dieu ne peut pas laisser toute une famille dans l'idolâtrie sans dire quelque chose. Il doit dire quelque chose. Or, la Bible ne parle rien par rapport à ta famille. De façon spécifique. Tu as compris, n'est-ce pas? La Bible ne dit rien. Ça. Il faut que la révélation vienne. Donc, les gens qui ne comprennent pas disent, ok, pourquoi il parle du président là-bas? C'est comme si on est allé dans l'église, que les prophètes ont de parler plutôt des choses. Ce n'est pas comme ça. Là. Le prophète est celui qui donne la direction du Seigneur sur tous les événements qui se passent sur la terre. Tu suis un peu, n'est-ce pas? S'il y a les présidents sur la terre, il doit avoir les prophètes. S'il y a les rois sur la terre, il doit avoir les prophètes. Parce que la royauté, ce sont des attributs de Dieu. Les magistrats, la justice sur la terre, sont des attributs de Dieu. S'ils ont de bafouer la justice sur le plan public, dans l'univers, Dieu envoie les prophètes pour leur dire clairement qu'ils doivent marcher, comment ils vont marcher. Voilà donc ce qu'il en est. D'accord, mon cher? Voilà. Donc, dans les Saintes Écritures, donc on a vu qu'Agabus était un prophète, il y en a plusieurs. Dans le chapitre 13, on a vu qu'il y avait des prophètes qui étaient dans l'église d'Antioche. Au chapitre 15, verset 22 jusqu'au verset 32, on voit effectivement que Jude lui-même et Silas étaient regardés comme des prophètes. D'accord? En résumé, tant que l'église est sur la terre, sa formation en vue de sa maturité totale et définitive pour la rencontre du Seigneur doit être faite par, s'il y a des choses qui doivent manquer, ça ne doit pas être les prophètes et les apôtres. C'est eux la base, ils doivent être là. Un pasteur, son rôle, ou bien un enseignant, son rôle, c'est d'enseigner. C'est le même Saint-Esprit qui enseigne en lui. Mais un enseignant peut ne pas avoir de vision. Il prend seulement la connaissance qui est de l'Écriture, il enseigne. Parce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, que de quelle étude vous serez s'il vient vers vous. Il ne vous enseigne pas par révélation ou bien par connaissance. Donc on peut enseigner par révélation ou bien on enseigne par connaissance. De quelle étude vous serez s'il vient vous parler en langue. Ça ne nous sert absolument à rien. Attends un peu. Tu dis qu'on peut enseigner soit par révélation, soit 14, par connaissance. Ouvre 1 Corinthiens 14. Comme ça tu vas bien voir ce qu'il y a là-bas. 1 Corinthiens 14. Verset 6. Notre verset 6. On peut enseigner par révélation. Disons là-bas, non. 1 Corinthiens 14, rapidement. On passe en sort. Ça, c'est intéressant. Pas vrai. Ok, verset 6. Oui. C'est petit, comme ça tu peux bien avoir avec les chiffres. C'est là. Ça, c'est trop petit. Mmh. Donc, ainsi, frère, je vous le demande. Quand je viendrai chez vous,
si je vous parle en langue inconnue, oui, en quoi serais-je utile? Voilà. À rien. Mm-hmm. À moins que je ne vous communique une révélation, mm-hmm, une connaissance, oui, un message divin, oui, ou encore un enseignement. Voilà. Tu as vu cela? Donc tu peux enseigner, il y a différents flancs d'enseignement. Tu peux enseigner donc par révélation, par une connaissance. Par une connaissance, ça veut dire que tu peux aller là-bas dans la Bible. Tu prends effectivement ce que Christ a fait à la croix. Tu compares avec ce qu'on faisait avec les sacrifices à l'intérieur. Tu expliques que vous voyez que le bouc si était ceci. Le sacrifice des boucs qu'on donnait dans l'Ancien Testament représentait Jésus parce qu'il est l'agneau. Tu as vu, non? Ça, c'est par connaissance. Parce que c'est écrit là. Tu vois que tout le monde peut le faire. Mm-hmm. Mais comme tu as vu là-bas que les tonnerres, qu'au jour, quand les anges vont sonner la trompette là-bas, c'est que les mystères que Dieu avait dit dans ses serviteurs vont s'accomplir. Mm-hmm. Tu as vu, mm-hmm, cette chose-là, c'est dit par les prophètes. Les secrets. Les secrets de Dieu. On a vu là-bas que Dieu ne fait rien sans donner de ses intentions, ses secrets à ses serviteurs. Ce secret-là, c'est quoi? Voilà. Ouvre Actes des Apôtres. Je vais te montrer un truc que tu vas voir. Actes des Apôtres. Uh-huh. Ouvre le chapitre 10. Ok. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres. Oui. Que Dieu te bénisse, ma soeur, d'accord? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Chapitre 10. Lis à partir de. On va prendre le verset 34. Le discours de Pierre. Mmh. Là, c'est le titre là-bas. Hein. Mmh. Mmh. Suivant le discours là. Verset 34. Pierre prit la parole et dit, maintenant. Ah, un peu à revoir, ma soeur. Pierre prit la parole et dit, mmh, maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Oui. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, mmh, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. Mm-hmm. Il a envoyé son message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Stop. Donc tu vois que normalement, le Hébreu chapitre 1, verset 1, et le chapitre 10 d'Actes des Apôtres, verset 36, disent la même chose. Parce qu'ici, il a dit qu'il a envoyé sa parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Parce qu'on a dit que Dieu a parlé anciennement par notre Père. En ce dernier temps, il a parlé par le Fils. Il te pose la question, qu'est-ce qu'il a annoncé? Il vient annoncer la paix. Mm-hmm. Parce que c'est le moment de la réconciliation. Okay. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi il est venu. Mm-hmm. Donc voilà celui qui donne le repos. Parce que dans cette alliance, vous avez coupé sur les trucs de là, je suis venu donc maintenant pour faire ce qui est accompli dans cette alliance. Voilà donc cela. Donc voilà pour le contenu de Hébreux 1:1. C'est ce que Paul Pierre a dit ici, que voici ce qu'il est venu. Il a annoncé, Dieu a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Continuons maintenant. Ah, ok. Pas fini. En tout cas, juste là où je t'en ai mis, c'est le verset 43 qui nous intéresse. Allons-y. Okay. Va au verset 43. 43. Oui. Tous les prophètes ont parlé de lui. Voilà. Mmh. En disant que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Par le pouvoir de son nom. Donc, Pierre a dit clairement que tous les autres prophètes ont parlé de lui. Mais tu as lu l'Ancien Testament, tu as vu Jésus quelque part, hein? Non. Donc, l'Esprit. Voilà. Donc, le but pour lequel ils étaient annoncés, ils ont annoncé une réconciliation que Dieu va faire au travers du Messie. Voilà le but pour lequel l'Ancien Testament a été donné. D'accord, verset 43. Tu m'as suivi, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ça veut dire que quand Hébreux 1:1 dit, il a anciennement parlé à nos pères par les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes leur parlaient? Le but des prophètes qui parlaient aux pères, c'est qu'il y a une Messie qui arrive. Parce que la promesse est faite à, oui, Abraham. On annonçait Jésus. C'est Jésus qu'on annonçait dans l'ancienne alliance. Parce que l'autre, Jean-Baptiste est venu. Il est le dernier des prophètes de l'ancienne alliance pour maintenant lui dire le voici. Nettoyer le chemin. Nettoyer le chemin, donc qu'il entre. Qu'il entre en scène, que voici l'époux. D'accord? Alors maintenant, donc, ces prophètes-là annonçaient Jésus, le grand prophète qui devait venir pour faire le sacrifice. Quelqu'un vient se dire sur la terre, ok, comme il est venu, il a annoncé, il n'y a plus de prophètes. Mais on a vu tout à l'heure, tout au long de l'écriture, là, qu'il y a des prophètes, n'est-ce pas? Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, il est dit au verset 28 à 30 que tous sont-ils prophètes, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous ont-ils dans le miracle, tous gouvernent-ils, tous ont-ils ici? Il dit non. Non. Il dit Dieu a établi premièrement dans l'église
les apôtres, secondement les prophètes, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, ainsi de suite. Il dit Dieu a établi dans l'église. Or, il dit cela quand Jésus est venu, il a déjà annoncé sa chose. Il a dit dans l'église. La question c'est, y a-t-il l'église aujourd'hui? Oui ou non? Oui. Si il doit, là où toi et moi, est-ce qu'il y a encore l'église sur la terre? Oui. Si il y a l'église sur la terre, c'est que Dieu a établi dans l'église. Parce qu'on a dit dans l'église. Parce que dans cette église qu'on dit que la femme découpe l'instruction en silence. Ça n'a pas changé. Je me dis, tu sais quoi? Étant donné qu'aujourd'hui l'église dont le Seigneur parle, ce n'est pas le bâtiment. C'est toi qui n'es pas le bâtiment. C'est les croyances. C'est pour ça qu'il demande, est-ce qu'il y a les croyances? Quand il parle de l'église, il ne fait pas mention dans mon esprit même du bâtiment. Oui. Parce que mais quelqu'un qui est dans les bâtiments va croire que c'est son église que tu veux parler. Mais la Bible ne parle pas de bâtiment. Oui, c'est l'ensemble des croyants. Quel... Il dit que là où il y a deux ou trois. Quand Paul dit, il a Dieu établi premièrement dans l'église. Quand il dit dans l'église, il ne parle pas dans l'enceinte d'un bâtiment. Il n'a pas dans le corps de Christ. Donc, il parle en milieu chrétien. Mm-hmm. Donc, en milieu chrétien. C'est pour ça que si quelqu'un est prophète, il n'est pas prophète pour une assemblée, pour ça n'a pas de sens. Tu comprends? Tout à l'heure, on a lu là-bas que des prophètes sont descendus de Jérusalem. Mm-hmm. Ils sont allés à Antioche. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, ce sont les accotements. C'est que si tu es dans notre groupe, on s'invite entre nous. Voyez, les gens des têtes de l'animation s'invitent entre eux. Non, ceux du Fruit Gospel peuvent inviter ceux de têtes parce qu'ils n'ont pas la même vision. Donc, Dieu a des visions divergentes aujourd'hui. Là. Agabus, il partait. Il quitte Jérusalem, il part là-bas. Il est même prophétisé sur l'apôtre Paul. Il a, au chapitre 21, il a prophétisé sur l'apôtre Paul, il prend sa ceinture. C'est celui qui avait pris la ceinture. Voilà, de Paul. Ah, c'est le même. Hein? C'est le même. Okay. Tu as vu? Si tu vois que là-bas, c'est à Césarée qui va, le rencontrer. Okay. Tu comprends ça, ma chère? Et puis, c'est dans quoi encore? Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 8 et suivant. Verset 8 à 11. Actes 21. Verset 8 à 11. D'accord, ma chère? Alors donc nous voyons donc clairement, tous ces passages nous montrent clairement que la fondation de la parole de Dieu est établie que sur la terre, quand il y a des moments, qu'il y a des... Parce qu'il y a des témoins, quand les témoins, je vois principalement, qui disent que non, il n'y a plus des apôtres, c'est ça qu'ils appellent les enseignants, ils n'appellent pas un pasteur ou quoi que ce soit. Ils disent, ok, si les prophètes sont partis, les enfants, qui te dit que ce que tu dis est vrai? Que ce que tu enseignes aux gens est vrai. Oui, parce que telle chose, ça c'est la connaissance. L'écriture n'est pas enseignable par leur lettre, c'est par révélation. Parce que si c'était par connaissance, au temps de Jésus, les plus instruits étaient devant lui. Mais il a dit à Nicodème qu'il faut que tu naies de nouveau. Il a dit, moi, quoi, naître de nouveau, ça veut dire quoi ça? Il dit, un homme qui est vieux, il dit, toi qui es le docteur d'Israël, si tu ne connais pas ces choses. Donc tu vois qu'il y a des choses dans les Écritures que l'Écriture a parlé, que eux lisaient, ne comprenaient pas. Il faut la nouvelle naissance. L'Écriture enseignait ça depuis l'Ancien Testament. Tu vois cela? Mais ils ne comprenaient pas. Donc tu peux écrire la lettre, dire la Bible, si là, comme tu as dit, lire en français. On a dit français facile. Le but, si tu lis certainement l'introduction, on va dire que le but c'était pour amener au français moderne pour la compréhension de l'histoire biblique. Ce n'est pas en lisant dans ta langue qu'on fait comprendre. Parce que l'original de la Bible ici, qui est en langue hébraïque, les gens qui étaient devant Jésus, ils parlaient l'hébreu et l'araméen. Ça n'a pas empêché qu'ils tuent Jésus. Tu comprends? Hein? Oui. Mais à ses disciples, à lui, la Bible déclare qu'il ait ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et c'est la même chose avec le message que tu as parlé la dernière fois à notre groupe au Canada. Tu parlais du voile. Du voile. Raconte-nous. Quand il dit qu'il veut parler du voile, tu as dit qu'il a convenu avec le foulard. Non. Là, j'avais compris. Et puis, j'ai très bien compris parce que quand je t'écoute un peu dans ce que tu dis là, c'est un peu ça aussi. C'est le voile. Parce que le voile est sur le cœur. Oh, le voile, il faut que ça soit enlevé. Ouais. Si ça n'est pas enlevé, tout ce que tu fais, c'est zéro. Parce que parfois là, tu vois un peu le Somme chapitre 1, verset 1 à 2. Pourtant, c'est là, c'est écrit. Je l'ai lu plusieurs fois. Oui. Mais ça ne m'a jamais touché. À quelle occasion ça t'a touché? Quand il était en train de lire un genre, il lui parlait. À quoi t'occupes-tu? Dans quoi tu trouves ton plaisir? Et c'était clair parce que j'étais devant la télévision et j'étais en train de les enregistrer. J'ai trouvé mon plaisir dans la télévision au lieu de trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Et la loi de l'Éternel, c'est où le Seigneur lui-même il dit médite jour et nuit. Et tu es d'accord avec moi que tu ne peux pas trouver le plaisir dans la télévision en même temps dans la Bible? Impossible. C'est les plaisirs qui ne sont pas compatibles, pas vrai? Impossible. Voilà. Soit tu sacrifies, c'est comme tu ne peux pas servir de maître. Voilà. Donc tu vois qu'à l'instant où tu as écouté ça, ça a une autre dimension pour toi. Et là, ça a mis des choses de côté. Donc, le psaume 1 est toujours couché là-bas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il trouve son plaisir plutôt dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le fer ne se fait-il jamais. Tout ce qu'il fait, lui, il réussit. Tu demandes comment il avait fait pour réussir. Le pasteur de 15 il dit la solution. S'aimer ici, c'est le bandit.
Donne comme ça, ma soeur, tu vas voir, tu seras béni. C'est parce que Dieu a dit. Dieu a dit heureux l'homme. Il n'a pas dit heureux l'homme qui sème trop, qui donne en grande moyenne, qui donne jusqu'à ce que ça lui fait mal. Il n'y a pas ça dans la Sainte Écriture. D'accord, mon cher? Il est dit heureux l'homme qui. Tu ne dois pas se mettre avec les gens qui sont pour le besoin. Oh, tu n'as pas passé le temps dans le plaisir. Passe ton plan dans le plaisir de l'Éternel. Tu es comme un arbre. Parce qu'en saison sèche, un arbre qui, dont ses racines sont en bordure de l'eau, il ne souffre pas de sécheresse. Parce que son, sa racine, comme sa racine, elle va aspirer de l'eau. C'est cette image que l'Éternel a donnée. Il y a la sécheresse, il ne sait pas si la sécheresse. Parce qu'il se nourrit. Il se nourrit là constamment. Oh, ça veut dire que la parole, si indirectement, l'Éternel dit, nourrit la parole dans ton âme pour les éventuelles sécheresses qui peuvent venir, pour les éventuelles difficultés. Parce que s'il y a des problèmes ici maintenant, s'il y a boum, les gens qui ne sont pas habitués au jeûne, ils disent, hé, ça fait 4 jours qu'ils n'ont pas mangé. Ceux qui sont en train de jeûner, ou bien qui se jeûnent, ils savent déjà comment ils sont préparés. Leur organisme est déjà préparé. Est préparé. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est un peu comme par exemple, tu dis, ah, je ne fais pas, tu ne fais pas le sport, il y a un événement qui va courir. Tu ne peux pas courir justement, tu cours, parce que ton cœur va s'arrêter. Mm-hmm. Mais celui qui fait le tout sport, il va courir, il n'y aura pas de problème. Mais toi, tu vas faire 2 minutes, tu vas te baisser, mieux on met-tu. Donc c'est la même chose. Plus tu t'accoutumes à la parole, plus ta parole transforme ton être sans que tu ne sais comment. Tout comme l'arbre qui est planté près du courant d'eau. Quand ça racine là-bas, tu ne vois pas comment l'eau en train de passer pour entrer. Tu vois seulement les effets sur le feuillage. D'accord? C'est comme ça qu'il faut faire. Amen. Donc je clore là. Il y a des prophètes donc. Dans la nouvelle alliance, de nos jours, il doit. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas. C'est que nous n'avons plus sur la terre. De toute façon, c'est qu'il n'y a pas l'église. Voilà, c'est là. S'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas l'église. Parce que c'est le fondement. C'est le fondement de l'église. C'est la base. Ils sont là parce que l'église est là. Si l'église n'est pas là, quitte la scène. Parce qu'il quitte. D'accord? Voilà. On peut passer au deuxième. Oui, on prend une pause. Tu prends un peu de champagne. De marabout.